Alors là, c'est bientôt Halloween, du coup, il y a les guirlandes qui ont poussé dans l'appartement. Donc voilà, des chauves-souris plein les murs. On aura bientôt une citrouille sur la table et on a même des petites têtes de mort lumineuses. Donc il n'y a pas encore de piles ici, mais on va s'arranger et puis elles vont être allumées voilà, d'ici une journée ou deux, quoi. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le dessin d'une main facilement, sans les détails. Donc, c'est pas une technique qui va vous permettre d'apprendre à dessiner tous les petits éléments des phalanges, les plis, etc. C'est juste, voilà, voyez ça comme un exercice qui est assez facile et c'est surtout pour vous montrer que vous pouvez, être dans le, voilà, réaliser des postures de main, des positions de main assez facilement finalement lorsque l'on a une bonne méthode qui est pas trop compliqué. Donc peut-être que aujourd'hui vous avez des problèmes lorsque vous dessinez les mains de faire des doigts trop longs, vous avez des problèmes de proportion, que la posture ne fait pas naturelle quand vous la travaillez. Alors vous avez essayé peut-être les formes cubiques, les cylindres et tout ça. Vous avez essayé de dessiner les positions avec un doigt après l'autre. Vous avez essayé de prendre peut-être des planches d'anatomie pour apprendre. Voilà, et vous avez essayé tout ça et finalement, ça mène pas à rien, mais c'est pas aussi bien que ce que vous espériez. Enfin, vous progressez pas autant que vous espérez. Et en fait, c'est que au début, on est trop concentré sur les détails plutôt que sur la position de la main en général. On se focalise trop sur les phalanges et tout ça et les plis, les carpes, les métacarpes et tout ça et du coup ça brouille en fait la vision et en fait il faut une technique qui permette de faire des esquisses rapides voilà, de la silhouette de la main, la silhouette générale avant d'aller vers les détails. C'est important d'abord en fait on essaie de Souvent, on essaie de faire les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on veut rendre le naturel de la position d'une main et quelque chose d'assez souple, et en même temps apprendre l'anatomie, à créer des textures par-dessus, etc. Et on essaie de faire tout ça en même temps. Et le problème, c'est plus on va vers les détails, plus on rend le dessin rigide et c'est contre-productif. Donc, il vaut mieux d'abord, dans un premier temps, faire très 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 peu de détails et d'abord se passer son temps 90% du temps à esquisser des mains qui ont l'air naturelles, des postures qui font réalistes et qui sont souples. Et après, rajouter les détails progressivement dans sa pratique, dans sa progression, pour éviter justement que le naturel que l'on a mis dans ces esquisses-là disparaisse. Crouler voilà sous les détails qui deviennent que cette main soit tellement retravaillée que ça en perd complètement ses courbes, son côté fluide voilà et du coup son élégance et que tout ça soit noyé sous des détails. Donc je vous montre une technique pour réaliser ces esquisses justement de manière assez rapide voilà pour pouvoir ensuite que vous puissiez pratiquer et progressivement vous améliorer. Donc je vous montre ça de suite. Alors je vais vous montrer comment réaliser des esquisses de main assez facilement, sans rentrer dans les détails, sans avoir à apprendre d'anatomie, mais voilà, c'est pas non plus la technique qui va donner le maximum de le meilleur rendu possible. C'est juste voilà, c'est pour pouvoir commencer à tracer tranquillement des petites mains et puis prendre confiance dans ses compétences et puis progressivement avec le temps et la pratique faire des dessins de plus en plus précis. Donc cette technique, comment ça va se passer? On a besoin d'un outil qui est un petit peu large comme celui-ci. Donc ça c'est une estampe voilà, que j'utilise et qui trace relativement clair. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser en fait la technique de la silhouette. Une silhouette que l'on va dessiner
voilà, une silhouette de main que l'on va dessiner, puis qu'ensuite on va détailler avec un outil plus précis comme celui-ci, ou même un autre crayon, tiens, pourquoi pas un autre crayon, comme ça on reste dans le gris. Et alors la première étape, quand on a ces deux outils, on va prendre, on va dessiner une main. Alors, ce qu'on peut faire si on n'a pas envie d'inventer ou qu'on n'est pas encore à l'aise pour inventer, moi personnellement, je suis pas quelqu'un qui arrive à créer, enfin, je suis pas un dessinateur qui invente, je suis un dessinateur qui arrive à reproduire et à décortiquer, à analyser, mais pas à inventer. C'est une compétence que je n'ai pas aussi bien que celle de reproduire les modèles. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est comment reproduire. Donc, pour reproduire un modèle, ben, il faut que j'en ai un. Donc, du coup, je vais prendre cette main gauche. Je ne sais pas à qui elle est. Elle traînait par ici, mais du coup, je la prends et je vais, tiens, je vais esquisser. Je vais essayer d'esquisser cette position-là. Un pouce vers le haut, voilà. Parce que sur YouTube, on demande souvent des pouces vers le haut. Hop, 1, 2, 3, 4. Et en fait, je dessine chacun des doigts. Voilà. Et puis, le cinquième ici. Simplement, éventuellement, voilà, je structure un petit peu ici. Et puis après, ben, je vais juste hop, repasser avec mon crayon par-dessus, alors de manière complètement grossière. Là, je peux regarder également ce que je suis en train de faire. Et puis là, aller vers quelque chose de plus précis, de plus construit. Plutôt que de faire hop, alors ici et puis bah, tout simplement après donc il y a bon il y a toutes les tous les os voilà qu'il faut reproduire également. Les os au niveau des phalanges et tout ça. Ben, bref, c'était juste pour cette position. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer. Après, on va en voir une autre. Tiens, comment on fait le chien. Voilà, le chien, ça donne ça. En ombre chinoise, je veux dire. Ça donne quelque chose comme ça. Et du coup, ben, on va dessiner hop, le pouce et chacun des doigts. 1, 2, 3 et puis hop le dernier ici puis éventuellement voilà la position ici des phalanges et puis après on a juste à retracer par-dessus. Alors, quasiment sûr qu'il y a des problèmes dans ma main là, mais voilà, c'est rigolo à faire. Ça se fait quand on s'ennuie. Après, la technique que je préfère, c'est on va prendre une autre position. Tiens, par exemple, celle-ci. C'est la technique où on regroupe en fait les doigts. Voilà, on esquisse le contour de la main. Et on regroupe les doigts par deux ici. C'est important. Hop là. Phalange. Après, on peut éventuellement rajouter l'éclairage. Bon, j'ai pas un éclairage qui est tip top.
Mais déjà, on a cette base. On va partir sur notre position, tiens, comme celle-ci. Hop. Ben, je vais reprendre ma méthode de tout à l'heure. Voilà, l'espèce de petit triangle ici. Et après, voilà, on a juste à dessiner les contours. Bon, j'ai un petit peu ajusté la position des doigts ici. Hop. Voilà, mais ça donne quelque chose qui est plutôt sympa. Tiens, on va faire ça. Hop. Le puits pour ceux qui savent. Ceux qui jouent aux pierre, feuille, ciseaux, puits. Est-ce qu'on voit? Alors, c'est un petit peu bas. Voilà. Le cercle ici. Hop là. Voilà, l'avantage c'est que ça prend vraiment pas beaucoup de temps et plus on en fait, mieux forcément. Plus vite on apprend. Du coup, j'ai fait quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais un peu trop vite des fois. Ça va être un peu plus large là. Ah, est-ce que j'en fais un autre, un petit dernier? Avec les doigts, bah, ça peut être simplement comme ça, tiens. Ça peut être simplement une paume ouverte. Allez, donc on va juste. Allez, on positionne notre paume. Ici, on a notre pouce là. Un doigt, deux doigts, trois doigts et. Quatrième, le compte est bon. Et on a juste à repasser. Voilà, ici, et le pouce. Mince, j'ai fait un peu fin. Et voilà. Donc c'est pas mal pour une main réalisée en, je sais pas, j'ai pas compté, peut-être une dizaine, quinzaine de secondes. Voilà, tranquillement. Donc première étape, c'est de faire de prendre la position avec la main, si on n'a pas de modèle, ou alors avec un modèle, ça marche aussi, une photo. Et après, utiliser l'estampe pour dessiner la silhouette, donc la silhouette qui est assez pleine. Et enfin, le contour avec le crayon ou alors l'outil fin pour les détails. Donc voilà, ça vous a donné une petite idée, une petite technique pour vous permettre de
de commencer à vous amuser avec le dessin de main et puis un petit peu désacraliser ça et puis pas se dire que finalement c'est super compliqué comme motif, comme sujet les mains parce que voilà, il y a tellement de positions possibles, ça reste quelque chose d'intimidant. Donc là maintenant, vous pouvez voir que en quelques lignes et puis avec cette technique de la silhouette, et eh bien que c'est en quelques secondes, on peut arriver à quelque chose qui fasse naturel, quoi, tout simplement. Donc, il y a d'autres techniques comme ça que j'enseigne dans le cours Virtuose du dessin de main en 30 jours, grâce à la méthode DAT que j'ai inventée, qui va permettre d'assimiler en fait le dessin des mains dans les positions les plus complexes et petit à petit, juste en 10 à 15 minutes par jour, pour enfin savoir comment analyser, retranscrire une posture et voilà, dessiner une main qui soit naturelle et convaincante. Alors, comment cette technique va vous permettre de devenir un virtuose du dessin de main? Et bien, c'est simplement qu'on va fonctionner sur 2 jours. La première journée, il y a une leçon qui vous est envoyée avec, voilà, c'est une leçon sur le croquis avec une position de main que je décortique. Et donc voilà, vous suivez la leçon, vous faites des petits croquis, ben, en utilisant justement ces petites astuces de la silhouette pour dessiner les mains. Et ensuite, l'idée c'est que le lendemain, vous avez la journée avec les exercices pour progresser, pour mettre en application tout ça et commencer à avoir des résultats. Donc, vous faites ça d'après un modèle très spécifique. C'est un modèle vraiment que voilà, j'y tiens. Il faut vraiment dessiner d'après ce modèle-là parce que c'est la transition parfaite entre le croquis et puis de dessiner une main d'après photo. Et souvent, ben, on oublie, enfin, c'est même pas souvent, c'est quasiment tout le temps, on saute cette étape-là, et du coup, ça rend l'apprentissage plus difficile parce que ben, c'est comme si on avait un escalier et on voulait monter les marches, et puis voilà, il y a une marche, voire deux, qui manquent, et du coup, ben, comment on peut enjamber la marche s'il n'y a pas les autres marches intermédiaires. Donc ça fait qu'il y a une marche qui est un peu trop grande à passer. Et du coup, c'est un peu la même chose ici. Et que voilà, ce modèle-là, très spécifique, il va permettre de faire la marche intermédiaire qui va vous permettre de gravir ensuite l'escalier tout entier. Donc ça fonctionne comme ça. On a une première journée avec la leçon vidéo du jour, donc vous pouvez noter, annoter, voilà, prendre donc des notes, et ensuite le lendemain, eh ben, après la théorie, vous avez la pratique sur les deux modèles. Donc le modèle donc, que j'ai voilà, j'ai insisté dessus, le modèle intermédiaire très important, puis ensuite un petit peu plus tard, eh ben, le modèle que j'appelle le modèle de test que vous allez voilà, que vous allez esquisser, et puis pour voir si vous avez bien intégrer les notions et puis les étapes pour réaliser cette posture. Et après le lendemain, enfin le jour suivant, eh bien on repart sur une autre leçon et ensuite sur un exercice, et voilà, et ça part comme ça en alternance, une leçon, un exercice, une leçon, un exercice. Donc, alors le dessin de main, c'est réputé pour être un motif qui est très 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 difficile. Donc imaginez si vous aviez de l'aisance pour dessiner ça, la confiance que vous allez avoir pour vos futurs dessins, pour l'apprentissage de l'anatomie peut-être, parce que vous aurez ben, conquis, vous aurez réussi à dessiner un des modèles les plus difficiles. Voilà, vous aurez vaincu entre guillemets l'un des défis les plus grands du dessinateur, savoir de dessiner des mains. Donc voilà, la confiance que ça donne lorsque l'on a acquis cette compétence pour apprendre d'autres techniques hein, pour la suite de l'apprentissage, je sais pas, peut-être carrière, voilà, donc il y a juste besoin de, et finalement il y a juste besoin de pratiquer selon une bonne méthode, et là on n'a pas besoin d'ajouter un mannequin par exemple, on n'a pas besoin d'ajouter des outils supplémentaires pour pratiquer, pas besoin de modèles 3D, pas besoin de mannequins en bois, on peut juste pratiquer d'après photo, voire même ben, on peut même inventer des mains lorsqu'on a compris les principes. Voilà, on peut même s'amuser à dessiner n'importe quelle main de n'importe quel genre, et avec
avec n'importe quelle position. Donc, moi, je suis encore une fois pas excellent dans l'invention, le dessin d'invention. Moi, je sais plutôt décortiquer, mais voilà, si on connaît les concepts pour dessiner une main d'après photo, qu'on sait vraiment comment ça fonctionne, comment la mécanique elle marche sous la peau, et ben les personnes qui ont ce talent-là de pouvoir inventer, ben ils pourront s'en donner à cœur joie. Et combien de temps les débutants perdent à ne pas se lancer parce qu'ils se disent que c'est déjà trop, c'est trop difficile quoi, ce motif de dessiner les mains. Combien de tutoriels peut-être on enregistre ou alors on regarde sur YouTube sans se lancer dans la pratique parce que finalement on n'est toujours pas sûr, on n'est pas on se croit pas capable de le faire et du coup on accumule des tutoriels et puis finalement voilà on passe pas à l'action et du coup on ne développe pas le talent de dessiner quoi que ce soit comme ça. Donc voilà ne pas se lancer, ben c'est dommage parce que c'est une journée de perdue, c'est une journée de perdue quoi. Donc voilà, moi j'ai fait une méthode pour pouvoir apprendre progressivement les dessins de main, pour pouvoir atteindre un niveau de maîtrise qui, voilà, j'appelle ça virtuose. Mais voilà, ça peut être, ce n'est pas obligé d'être un virtuose du dessin de main. Mais au moins d'être plus à l'aise, de comprendre comment ça fonctionne, de ne pas être perdu, c'est déjà une grande victoire, quoi. Voilà, donc la méthode, elle est dans la description, dans un lien que j'ai mis dans la description. Elle est accessible jusqu'à vendredi soir avec des conditions particulières. Donc vous pouvez jeter un œil. Et si vous êtes un complet débutant, cette méthode, c'est une manière vraiment pas à pas d'apprendre, de commencer avec des postures. Les premières leçons commencent avec des postures qui sont peut-être, on peut se dire, c'est un peu compliqué, mais avec les pas à pas et puis les explications dans la leçon, ça va vous paraître finalement évident que c'est pas si difficile que ça. Et voilà, si vous êtes par contre un intermédiaire, bon, peut-être qu'il y a certains détails sur lesquels ça pioche, hein, vous avez déjà peut-être des compétences, vous êtes déjà un petit peu rodé par rapport à ça, mais il y a quand même des soucis, mais vous savez pas trop où au niveau du dessin. Ben voilà, certainement il y a des choses tellement. Ben, ce cours-là que j'ai préparé, il est complet, donc il y aura de quoi travailler chaque petit détail de. Ben, vous allez voir dans la page du programme, il y a vraiment plein plein de choses que je traite. Et si vous suivez déjà un cours en atelier, par exemple, bah, ça va vous permettre d'accélérer votre apprentissage. Et puis, moi, lorsque j'ai commencé à faire ça dans mon coin, et puis de revenir ensuite dans mon atelier de dessin d'anatomie à l'université, mais voilà, c'était le jour et la nuit, le professeur, bah, il était ébahi, mais je veux dire que bon, il a vu la différence, quoi. Il m'a même mis une bonne note alors que j'avais oublié d'amener mon dossier pour l'examen final, quoi. C'est dire. Donc, je me suis pointé sans rien et en fait, il m'a dit, bon, bah, je me souviens que vos dessins étaient super, mais je suis pas là, donc voilà, je vous mets quand même une bonne note. Bon, voilà, ça veut dire que ça l'a marqué. En tout cas, ma progression l'avait marqué. Et c'est aussi cette méthode, cette structure en 30 jours, eh ben, ça permet aux gens qui n'ont pas le temps de savoir exactement bah, quoi dessiner, combien de temps y passer, parce que les leçons, elles font au maximum, le clip le plus long, c'est 12 minutes. Hein. Après, c'est du 4 minutes, du 5, ça va aux alentours de 10 de temps en temps, mais maximum 12 minutes. Et voilà, en fait, c'est une structure qui vous permet d'avoir ben, tout chaque jour à portée de main, quoi. Il y a le modèle, les consignes, il y a les pas à pas qui vous sont envoyés. Donc, il n'y a pas besoin de faire de recherche, il n'y a pas besoin de prendre des notes. Alors, j'ai dit de faire des petits croquis parce que c'est bien pour en même temps ben, commencer à s'échauffer et puis à emmagasiner les principes lorsque la leçon théorique arrive. Mais c'est pas du tout obligé de prendre des notes parce qu'il y a en plus les PDF des vidéos qui sont à télécharger en bonus. Donc, tout est déjà préparé. Donc, c'est un peu comme, je disais, comme un centre sportif où le sportif, il arrive,
Et il y a le, bah le bah tout est prévu quoi. Il y a le lit qui est fait, il y a la chambre qui est prête, le planning des repas qui est fait, l'horaire des sorties qui est planifié. Il n'y a pas de course à faire, il y a personne qui vient pour embêter. Enfin, il y a personne qui vient pour déranger le sportif à n'importe quel moment. Bref, le gars il arrive et il a juste besoin de pratiquer. Voilà, c'est le cadre idéal pour se faciliter la séance de sport, et lui il a juste à se concentrer là-dessus, et le reste ben voilà c'est géré par l'équipe voilà qui tient le centre sportif. Là, c'est un petit peu ça l'idée de ce cours. Donc tout est préparé, donc Bonjour et encore une fois bienvenue le dans cette modèle, les nouvelle vidéo. Je consignes, m'appelle Roy les Palace, conseils, blogueur les et dessinateur, leçons et théoriques, aujourd'hui, on va voir comment tout est dessiner envoyé, les et mains. En fait, on va voilà il commencer n'y a la pas série à réfléchir, aujourd'hui à faire et des recherches on va supplémentaires. voir Donc les tout est deux déjà concepts clés, préparé. deux Donc le concepts lien il est fondamentaux encore dans la pour description. dessiner Le cours il est les mains qui sont à nouvelle. disponible voilà à des Très conditions compliqué. Donc c'est particulières important que vous jusqu'à sachiez vendredi ces deux soir. concepts-là parce que Et si vous ne les puis connaissez pas, moi c'est un voilà petit peu comme moi j'ai comme terminé si ma journée. vous Je essayez vais de faire une certainement aller maison me en chercher commençant des par sushis parce que j'ai les parlé de morphées sushis la dernière et fois appliquer les mieux fumants au lieu avec de mon commencer par tutoriel la sur charpente. les Donc à long crayons de terme, ça couleur. risque de Donc pas maintenant donner j'ai quelque envie chose de de manger très des stable. sushis. Alors Et voilà, donc je vais vous la montrer question des c'est deux concepts qui sont quel vraiment genre de très sushis je vais simples. manger maintenant. Vous C'est restez la avec moi. grande Juste avant ça, vous la pouvez vous grande question abonner à du la jour. Bon, chaîne bref, YouTube en je cliquant vais sur le essayer de carré trouver qui se trouve en mon bas à petit droite, qui se bonheur trouve par ici, la vidéo. Comme ça, vous serez averti dans de le centre chacune commercial de mes justement, publications et vous ne manquerez qui est pas très loin. aucune Et de puis ben, nous on se de mes retrouve dans petits une prochaine cours vidéo, et d'ici là ben, portez-vous voilà, bien chaque semaine. et je vous dis à Donc, la prochaine. étape